deux problèmes que j'évoque très rapidement. Premier problème, ça se passerait peut-être pas trop mal dans cette triangulation, mais d'autres acteurs interviennent. Les caddies, qui contrôlent les gestionnaires, qui contrôlent les donations. Le pouvoir politique qui contrôle les caddies. Et puis tous les occupants de ce bien, de cette fondation, ce WACF, ou ce Habous, selon qu'on soit au Maghreb ou au Mashrek. Et l'apparition de ces acteurs périphériques va rendre le jeu très complexe. C'est un peu comme le théâtre de boulevard où les gens rentrent par les portes et sortent par les fenêtres. Et ça donne des choses très mouvementées. La simplicité apparente de ce mécanisme est un vivier inépuisable de contestations juridiques. La culture musulmane est une culture judiciaire. Le droit est omniprésent. Et donc, il y a une abondance considérable de la jurisprudence, des recueils de jurisprudence, de centaines de pages sur ces questions, avec des opinions divergentes. Et puis, les justiciables utilisent, à juste titre, là, tous les registres des écoles juridiques, parce que les écoles juridiques, sur des points essentiels, diffèrent sur le régime juridique des WACF ou des Habous. Mais le problème le plus compliqué qui se pose, et qui s'est posé, est que cette institution est dédoublée. Cette institution des fondations pieuses est dédoublée entre les WACF publics, d'un côté, et de l'autre, les WACF privés et familiaux. Les WACF publics vont correspondre, finalement, au financement de ce que serait aujourd'hui le service public. Les fontaines publiques, les hôpitaux, les asiles, les écoles, etc. Qui prouve d'ailleurs qu'il y a un espace public dans le monde musulman. Les autres, eux, sont des techniques de contournement. Les WACF de famille, les WACF donc privés, permettent deux choses principalement. La première chose, c'est de contourner les règles successorales du droit musulman et du Coran, de déshériter les filles quand on veut le faire, ou au contraire de les avantager dans la succession. C'est aussi une manière, puisqu'il n'y a pas de représentation possible dans l'héritage en droit musulman, de faire bénéficier de l'héritage aux enfants d'un disparu. Deuxième fonction, les WACF permettent de mettre les biens à l'abri de la spoliation de l'arbitraire du prince. En quelque sorte, il y a des éléments d'état de droit sans la loi. Avec donc un bien qui est protégé sous la protection de Dieu, en le soustrayant à la circulation. Alors, c'est parfois anti-économique, parce que ça gèle les biens sur des longues périodes. Et à partir du XIXe siècle, la colonisation, le mouvement réformiste, l'indépendance, se sont traduits par une mise en cause du caractère musulman de cet instrument juridique. Il y a eu des grands débats extraordinaires en Égypte dans les années 20 sur ces questions. L'enjeu derrière cela était une tentative du colonisateur, puis de l'État, de mettre la main sur les biens WACF. L'argumentaire visait, d'une part, la spécificité du mécanisme juridique, car ce mécanisme juridique se retrouve chez les chrétiens d'Orient et chez les juifs. Les fondements de l'institution, car le Coran ne dit rien, ce sont des hadiths, deux hadiths. Le détournement de l'objet religieux par les WACF familiaux. Et donc, vous avez là, à partir de là, au moment de l'indépendance, les États ont supprimé la plupart des WACF familiaux. Vous avez là l'exemple d'un instrument souple et contesté
du droit musulman. Pour conclure, je dirais que nous avons donc des exemples de cette souplesse, des exemples de la localisation, je n'ai pas eu le temps d'en parler, à travers le processus colonial, de localisation du droit musulman, la création d'un droit musulman national, et puis enfin, la capacité de ce droit à être un droit moderne, à se moderniser, à travers le débat sur la Moudawana au Maroc, dont je pourrais éventuellement parler dans la discussion. Je peux dire pour finir que, bien entendu, je suis incapable de répondre à la question initiale. Merci. Bien, merci beaucoup. Nous allons prendre quelques questions. Je vous demanderai d'être rapide pour qu'il puisse y en avoir. Tenez, il y en a une tout de suite ici. Alors, parlez fort, je suis sourd.